commencer ? Voici une propriété hollywoodienne qui est synonyme de fête, l'ancienne demeure de Hugh Hefner, fondateur du magazine Playboy. Un homme qui a plus fait la fête qu'on ne le saura jamais. F a vécu au manoir Playboy de 1974 à sa mort en 2017. Il était connu pour ses fêtes débridées et extravagantes avec ses célèbres invités. F y apparaissait souvent vêtu de sa tenue signature, son pyjama smoking. Bienvenue au manoir Playboy. Entrez. Voici la grande salle. On organise souvent des fêtes à la maison. Et d'ailleurs, on en a une géniale cette semaine, avec le thème « Songe d'une nuit d'été ». Ici, c'est le salon, et comme vous pouvez le voir, on l'a converti en salle de cinéma pour le film de ce soir, Austin Powers. Et voici la salle de jeu, avec plein d'invités, très séduisants. J'ai toujours adoré les jeux d'arcade. La plupart des jeux que vous voyez ici datent en fait des années 70. Leonardo DiCaprio adore venir ici et jouer au flipper. Une autre salle pour d'autres jeux. Voici le jardin. Ce que j'adore, c'est être au beau milieu de Los Angeles, mais avoir l'impression d'être dans un autre monde. On a construit tout ce que vous voyez. On a construit les collines, les ruisseaux, la piscine, la cascade, le fun et les jeux. Je ne voulais pas d'une piscine classique ici. C'est pour ça que j'ai fait une piscine naturelle qui ressemble à un bassin. Et je crois que ça a inspiré d'autres propriétés du sud de la Californie. Le dimanche, on s'amuse au soleil. On saute dans la piscine entre amis. On joue au backgammon. Les filles jouent au volley. Et ça, bien sûr, c'est ma célèbre grotte. En fait, on a installé un espace de bronzage en haut, au-dessus de la caverne. Et tout a été pensé pour que la grotte et la caverne rejoignent la piscine. Donc là, on se trouve aussi dans la piscine naturelle. On monte les marches et on arrive dans le jacuzzi. Les gens adorent. Je crois que c'est parce qu'on est très branché santé de nos jours. C'était une super journée. C'était sympa de vous accueillir. J'espère que le manoir Playboy vous a plu. Mais c'est l'heure de nous laisser.